Hanouna le matin, 6h-9h sur Virgin Radio. Hanouna le matin. On n'appellerait pas le gars là du café et on lui dit qu'il y a un gars qui livre du faux café, il fait du trafic de kawa. Mais moi, il est toujours là-bas. On appelle directement. Allô. Ouais, Raymond, tu livres là? Ah, ça décharge là, je suis en train de charger sur le chariot là. Non, vas-y, bah tu charges sur le chariot, tu rentres. On y va. Ouais, c'est parti, je traverse la rue là. Ah, ça c'est bon. Attention là, c'est de la livraison là. Oh, laisse-moi traverser. Allez, c'est parti, on y va. Hop là. Raymond, il peut être un peu véhément hein, parce qu'il y a, il faut le rappeler, il a raté son défi. Et c'est, je crois que ça lui a collé les nerfs. Alors, il est véhément là. Ça lui a collé les nerfs. Alors monsieur, c'est bon ou pas le café là? On y va? Toujours pas? Toujours pas de café? J'ai 190 kilos de café là. Vous vendez du café? Ah, on peut l'appeler. Il faut qu'en parallèle. Vous le stockez en bas? Vous le stockez à la cave? Vous n'avez pas de trésorerie, c'est ça? Ah, ça sonne. On entend la sonnerie chez lui, c'est bon. On entend ça. L'auberge rouge, bonjour. Oui, bonjour, l'auberge rouge. Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est bonjour. Le commissariat du 17e arrondissement. Je vous appelle car on a un petit souci avec une personne qui fait du trafic de café arabica actuellement sur le 17e dans certains bars. Oui. Il va certainement venir chez vous pour vous proposer du café. Oui. Donc c'est un individu dangereux, je vais vous demander bien sûr de prendre vos précautions et éventuellement s'il est chez vous, chez un de vos collègues, ne pas hésiter à nous appeler directement au commissariat du 17e. Oui, bah écoutez, je crois que je l'ai là, il est en train de me prendre la tête pour livrer. Il veut vous livrer du café, c'est ça? Oui. Ouais, exactement. Et il vous a parlé de verveine également? Oui, voilà. Ouais, on connaît l'individu. Écoutez, il faut le prendre avec des pincettes, hein, je vous le dis. Voilà, c'est un individu qui livre du café comme ça à tort et à travers. Je vais vous passer l'OPJ, d'accord, qui va vous expliquer plus amplement l'affaire, d'accord? Ok. Merci. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, police nationale à Paris. Alors je vous appelle que la personne est dans votre bar, que tu as la personne? Oui. Alors surtout, vous faites comme si vous ne le voyez pas, hein, vous ne le regardez pas dans les yeux, hein, sur toi. Ouais. C'est une personne qui est assez véhémente, qui peut avoir des réactions quand même assez surprenantes. Ce qu'on va faire, on va vous envoyer une patrouille qui va venir intercepter. Voilà, il est là depuis, ça fait 2-3 fois qu'il passe. Gérard, tu lui dis qu'il essaie de l'appréhender, de le garder actuellement sur les lieux pour qu'on ne perde pas la piste. Alors monsieur, vous m'entendez? Oui, oui. Alors il faudrait que vous essayiez de l'appréhender, de le garder sur les lieux, afin que nous ne perdions pas la piste. D'accord. Hein, parce que c'est important, parce que sinon que ça fait que 3 semaines qu'on lui court derrière, lapin au kiki là. Commence un peu à nous les gonfler menus, comme on dit au commissariat. D'accord. Merci de votre collaboration, monsieur. Ouais. On n'hésitera pas à vous rappeler et essayez juste de le retenir sur les lieux. D'accord? Oui, attendez, je sors parce que voilà. Écoutez, ça fait 2-3 fois, là il est là, il me prend la tête. Il attend qu'il le café, je leur vends pas la verveine, le machin. D'accord. Écoutez, moi je suis pas au courant, ça fait quand même 31 ans que je travaille dans la maison. Écoutez, je suis pas au courant d'avoir. Ne lui prenez rien, offrez-lui un petit kawa, Il est au bout du bar là. D'accord. Et puis il me prend la tête depuis tout à l'heure. Écoutez, offrez-lui un petit kawa et essayez de le garder sur les lieux avant qu'on arrive, d'accord? D'accord. Merci, à tout de suite. Merci. Retrouvez Hanouna le matin en podcast sur virginradio.fr. Virgin Radio.